Hey, should the list. J'espère que vous allez bien. Comme moi ça va Super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo plutôt cool. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo, du moins plutôt refaire cette vidéo puisque je l'ai déjà fait il y a quelque chose comme un an et demi. Ça vous avait pas mal plu il y a un an et demi, et moi j'étais vraiment très curieux, et j'avais très envie de refaire ce contenu là. Il y a quelque temps, dans une de mes dernières vidéos, je vous ai demandé quel deck jouez-vous, et j'ai eu plus de 400 réponses différentes. Ça fait extrêmement plaisir. 400 réponses, c'est quelque chose d'incroyable, et ça m'a permis de vraiment faire un tableau le plus fiable possible avec les éléments auxquels j'avais accès tout simplement. Pour cette vidéo, j'ai donc réalisé un top 10 des 10 deck qui était le plus revenu dans vos commentaires et j'ai également fait une petite partée pour mention honorable je sais pas trop comment la classer pour les decks qui vont de 11 à 16 puisqu'ils étaient vraiment tous au coude à coude ils ont limite un peu bubble pour rentrer dans le top 10 donc du coup je me disais c'était plutôt intéressant de vous en parler et d'ailleurs on commencera par ça avant que la vidéo ne commence si elle vous plaît votre meilleur pouce votre abonnement dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si votre deck n'est pas représenté dans ce classement bah dites-moi dans les commentaires pourquoi selon vous il mériterait absolument sa place dans cette vidéo sur ce je vous invite à plus on passe au classement. Et On est parti avec les decks de 11 à 16, c'est les mentions honorables. Je sais pas trop comment les appeler, c'est des decks qui pour, qui pour moi avaient clairement leur place dans le top 10, mais qui ne sont pas rentrés par manque de 1 ou 2 votes parfois. On va voir le deck Magicien Sombre, tout le monde connaît le deck Magicien Sombre, même les gens qui ne connaissent pas spécialement Yugi connaissent le Magicien Sombre. On va voir le deck PK, Phantom Knight, évidemment Bardiche, Deban, donc forcément. Puis même, c'est un, un deck de fanboy, tout le monde adore ce deck-là, il existe depuis tellement longtemps et il est tellement fort, c'est un engine qui, qui rentre dans plein de decks, donc forcément PK, ça me surprend pas du tout de le retrouver ici. Ici. SS, SS qui a perdu pas mal en popularité suite à la ban de Engage, mais qui est toujours là et qui est toujours jouable et qui fait encore des tops en tournoi, mais qui n'est quand même pas dans le top 10. Donc ça dit un petit peu, voilà, ça, ça vous donne un peu de mesure concernant euh, Sky Tracker. On va retrouver des decks comme Bad Villator, qui est un deck j'adore jouer. Euh, big up à Volt si tu regardes cette vidéo. La mention, la, la décliste de Volt quelque part en haut, parce que clairement sa décliste elle est cool. Bad c'est un très très bon Go 2. C'est pas un extrêmement bon Go 1, mais il peut quand même faire des trucs en Go 1. Et franchement, le deck il est sympa à jouer. On va retrouver également Green Majou, Green Majou qui tourne autour du bannissement, tout simplement, euh, qui va permettre de sortir des gros monstres très facilement, de faire un petit peu de contrôle aussi en fonction des cartes que tu joues. C'est un deck sympa, voilà, franchement, c'est un deck sympa et qui n'est pas dans le top 10. Et on termine avec Guerrier Ancien. Guerrier Ancien, c'est un deck que je ne connais pas spécialement, et c'est un deck où toutes les personnes qui m'en ont parlé m'ont dit, franchement, il a un gros potentiel et il est super sympa à jouer, et donc il est quand même assez représenté dans les decks que vous jouez vous. Ok, c'est parti pour le top 10. Et la dixième position, elle me fait plaisir puisque c'est un deck que j'ai joué pendant longtemps. C'est un deck Tenny. Alors, Tenny, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des Wyrms qui vont souvent se spé, qui vont avoir des effets, etc. Qui vont jouer autour des monstres normaux. Donc, on va pouvoir sortir des X's un peu relous, style Bagushka par exemple, assez facilement. Et qui vont jouer tout simplement autour de tout ça. Et qui vont sortir parfois des boards pratiquement impassables puisque oui, tu ne peux pas cibler les monstres normaux. Ils peuvent pas être détruits. Par contre, eux peuvent battle. Enfin, des trucs un petit peu pénibles. Le deck Tenny en lui-même, il est assez simple à prendre en main. Et surtout. Avec les rééditions MP20, il coûte vraiment 3 fois rien. Je pense que pour quelque chose comme 30 ou 40 euros grand maximum, tu peux te faire le deck, puisque ce qui coûtait cher à l'intérieur avant, bah c'était des cartes qui étaient assez élevées en rareté dans le deck. Elles ont toutes été reprintes. Et c'était les pots des désirs, pots des désirs qui étaient reprintes dans Toon Chaos, et éventuellement une Apoluzza ou ce genre de cartes-là qui ont majoritairement toutes été reprintes récemment. Donc le deck coûte 3 fois rien et il est quand même très agréable à jouer en plus d'être assez puissant. À la neuvième position et certains vont traiter ce deck là de deck anti-jeu, clairement parce que la carte mon zombie à elle toute seule, elle, elle fait que la plupart des decks ne peuvent plus jouer, Sala peut plus jouer, Rocket peut plus faire grand chose non plus. C'est vraiment très fort. Globalement, le deck zombie va tourner autour de son cimetière et il va pouvoir respecter des monstres, notamment le petit boss monster que je vous mets juste ici. Balardroc, Baler Dosh, je sais jamais comment il s'appelle. Il fait des trucs super sympas, tu peux le respecter du cimetière, il va annuler un monstre une fois par chaîne, un monstre zombie une fois par chaîne, mais vu que mon zombie dit que toutes les cartes sur le terrain sont des zombies, tu peux annuler tous les monstres, enfin, bref, c'est juste incroyable. Bête sacrée, alors Bête sacrée, c'est vraiment une grosse surprise pour moi. Euh, les decks Bête sacrée, Dieu égyptien, etc., je leur ai jamais accordé trop d'importance parce que je ai toujours trouvé ultra bricky, Clairement, je pense que le fait que Bête sacrée soit dans ce classement-là, c'est juste le fait... Peut-être que je me trompe, mais le fait qu'un deck de structure soit sorti très récemment, qu'on ait eu du support pour euh, Ra, Sliffer, etc., dans la dernière extension du geek qui vient de sortir, peut-être c'est un peu une hype autour de ça. Je me rends pas compte, peut-être que je me trompe totalement avec le deck est fort, mais en tout cas, vous, vous l'avez classé à la 8 position, et ça, c'est quand même incroyable. <music> Héros. Est-ce que j'ai besoin de présenter Héros Je suis vraiment pas sûr. Le deck Héros, c'est un deck Très fort. C'est un deck qui va sortir Plasma. Plasma, cette carte elle dit tu n'as plus d'effet. Voilà, c'est juste ça. Elle est vraiment très très forte. Tu la sors très facilement. En plus de ça, le deck Héros il est très consistant aujourd'hui. Le problème c'est que Héros prend deux trois entraps, ça commence à bégayer. Prend Nibiru, ça parle carrément chinois. Donc bon, c'est pas forcément le meilleur deck méta, mais en tout cas c'est un deck qui est très apprécié. C'est un deck qui existe notamment grâce à l'animé Yu-Gi-Oh GX et tout le monde connaît cette période là très nostalgique de notre vie. Donc voilà, Héros vous l'avez mis à la septième position. Sixième position et je suis désolé, mais je vais continuer de vous parler du Gio GX. À la sixième position, vous avez mis Cyber Dragon. Cyber Dragon, c'est un archétype que j'apprécie beaucoup parce que je le trouve vraiment super beau. Je sais qu'il y a plein de joueurs Cyber Dragon qui jouent le deck juste parce qu'il était incroyablement fort dans l'animé et qu'aujourd'hui dans la méta, bah, il fait encore des trucs super sympas. Mine de rien, Cyber Dragon, ça passe des gros boards, ça met des OTK super lourds et c'est très consistant. Donc, c'est pas super étonnant de le retrouver à cette position-là du classement. Ok, donc on arrive au milieu du classement à la cinquième position et je pense qu'il y a encore un an, j'aurais fait ce sondage, j'aurais jamais trouvé ce deck là à cette position là, il aurait été bien plus haut dans le classement. Le deck Salamangrande. Salamangrande, c'est un deck super sympa. On a vu, hop, je vous le mets un deck de côté. Le deck Profile de Jonathan qui a fait 8-0 avec ce deck là, alors qu'il existe depuis quelque chose comme un an et demi, voire deux ans. Le deck est super fort, il est consistant, il a survécu à trois ou quatre banlistes, il fait encore des trucs incroyables et en plus de ça, et ben bah mine de rien, c'est également un deck de l'animé. En quatrième position, vous retrouvez Shadow. Shadow qui est extrêmement puissant, notamment grâce à Winda qui dit... Tu ne peux faire qu'une seule invocation spé se par tour, c'est juste super fort. En plus de ça, et eh bien le deck coûte trois fois rien, puisque si tu veux jouer Shadow pur, tu prends trois fois le deck de structure, tu rajoutes quelques staples et globalement tu peux jouer directement. Je me rappelle de certains qui l'appelaient comme le remplacement de Salamangrande, Et en vrai, c'était quand même assez juste puisque bah, on a vu une période où on jouait que Shadow, Shadow Invoqué, Shadow euh, Shadow plein de trucs, Shadow Dino, Thunder, etc. Le deck en lui-même, il fait des trucs très cool. Il est pas très difficile à prendre en main et une fois que tu as compris comment ça marche bah tu peux gagner des tournois très facilement Troisième position, on arrive sur le top du classement et je suis vraiment pas surpris de trouver ce deck là en, 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 dans le, sur le podium. Tout simplement le deck Dino. Alors le deck Dino, il a une grosse fanbase de base et en plus de ça, le deck Dino en ce moment dans la méta, bah, il est quand même vraiment très très bon parce que bah, Dragon Link, quand tu as tes monstres face down, tu peux pas faire grand chose face à ça. Un peu pareil pour Infernoble. Enfin, le deck en lui-même est vraiment très fort. On a eu le petit Lacoste qui est sorti il y a pas très longtemps qui fait des trucs vraiment très forts dans le deck. C'est limite une carte combo, c'est juste super fort. Le deck Dino, eh bien, il est sortir En deck de structure, il n'y a pas si longtemps, ce qui fait que bah, toutes les cartes elles ont grave baissé en termes de prix. Il est assez accessible, franchement. Une fois que tu enlèves les trois pots d'extra, un petit peu d'extra deck et euh, bien simplement les euh, petits lacoste, et eh bien le deck coûte pas si cher que ça pour un deck compétitif. Tu peux t'en sortir pour un budget de 150-200, peut-être 300 euros. C'est pas grand chose par rapport à certains autres decks compétitifs. Et le deck en lui-même est vraiment super sympa à jouer. Deuxième position, et on retrouve le majestueux dragon blanc aux yeux bleus. Alors, le deck dragon blanc aux yeux bleus, il y a plein de méthodes de le jouer. Euh, le deck dragon blanc aux yeux bleus, il existe depuis super longtemps. Et le deck dragon blanc aux yeux bleus, et bah, mine de rien, il est quand même assez fort. En soi, il est quand même assez fragile sur certaines loops, mais quand ça passe, bah, tu manges au TK et tu peux rien faire. En plus de ça, les artworks sont super beaux, le deck il est assez facile à prendre en main, et ça ravivra votre passion pour Kaiba. Et en première position, je suis content parce qu'on retrouve un deck que je supporte depuis super longtemps. Je vous ai sorti je ne sais pas combien de deck profile sur ce deck-là. Non, c'est pas le deck Toon. On retrouve le deck Dragon Link. Alors, Rocket, Dragon Link, j'ai compté les deux dans, la même, dans le même globe, tout simplement. Le deck Rocket, on l'a vu sous je ne sais pas combien de versions. On l'a eu avec des versions avec Agarpen, avec des versions avec Yves, avec des versions avec Destrudo, qui sont aujourd'hui des cartes qui ont été bannies. On a vu des versions FTK, des versions 50 cartes, des versions 60 cartes, des versions. Des versions avec cube, avec, avec smoke, enfin voilà, le deck en lui-même il fait des trucs super cool, il est très consistant, c'est aussi pour ça qu'il fait partie des top tiers aujourd'hui des decks méta. Le deck malheureusement risque de prendre la balle puisque il est justement un peu trop fort à cause de certains plays qui peuvent être faits autour. Clairement sortir le board avec double herald, une compulse, un levianir, une smoke, un savage, bah, c'est un peu de l'anti-jeu et j'en suis conscient, mais le deck en même temps est très fort pour ça. Aujourd'hui, ce qui est problématique sur Rocket, c'est le fait qu'il puisse jouer autour de 3-4 trap sans trop trop que ça lui pose problème, et voilà, c'est le deck que vous avez annoncé jouer le plus, et ça ne me surprend pas vraiment, puisque c'est sûrement l'un des meilleurs decks du moment. Et bien voilà, je suis content d'avoir terminé cette vidéo, j'avais envie de faire ce vidéo avec vous depuis un petit moment, je suis surpris parce que mine de rien, on retrouve quand même pas mal de decks soit très nostalgiques, soit qui sont sortis en deck de structure il n'y a pas très longtemps, soit bah, pour Rocket, les decks un peu top tiers du moment, globalement il n'y a pas grand chose qui sort énormément du lot, si ce n'est franchement guerrier ancien et j'étais très content de les retrouver dans ce classement-là. Il y a plein d'autres decks évidemment qui sont sortis en grand nombre, comme Numéron, comme plein d'autres choses qui sont Six Samouraï par exemple, qui sont des decks qui sont sympas à jouer. Aujourd'hui, ce qui est vraiment cool, et notamment grâce à la méta actuelle, c'est que la méta elle est vraiment très diversifiée. Franchement, tu peux jouer Thunder, tu peux jouer, il y a énormément de decks qui sont jouables et qui ont leur place dans la méta aujourd'hui. Évidemment, Rocket, Dino et Infernoble vont dominer en ce moment mais il y a quand même moyen de s'amuser avec plein de decks différents et le fait d'avoir un format compétitif très vague, eh ben c'est quand même une super chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si votre deck est apparu ou non. Je serai content de savoir ce qu'il en est. Peut être que je referai une cette vidéo d'ici un an, deux ans, quand j'aurai encore plus d'abonnés pour avoir un échantillon encore plus large. En tout cas, ce qui est sûr, c'était avec 400 à m'avoir répondu sur ce sondage là. Ben, ça m'a permis de construire cette vidéo avec le plus de précision possible et de vous fournir du contenu le plus juste possible. Bref. Je vous embête plus. Prenez soin de vous. Faites nombreux duels et collection car. Surtout à bientôt les potes. Allez, ciao